Bonjour à tous, c'est Benjito, de retour dans une nouvelle vidéo avec aujourd'hui l'ouverture de paquets de chez Toups. On parle de Turbo Attacks. Donc là, cette vidéo est un peu particulière parce que les produits que je vais vous montrer aujourd'hui m'ont été offerts directement par Toups France, que je remercie chaleureusement d'ailleurs. C'est eux qui m'ont contacté pour m'envoyer quelques produits et donc je vais ouvrir sur la chaîne au fur et à mesure du temps. J'ai eu d'autres produits également, j'ai pas eu que ces produits là. Donc là je vous parle de ceci, voilà, des Turbo Attacks 2022. Donc on parle de pilotes de Formule 1. J'ai eu également du soccer, donc football, des vignettes, donc d'autres produits que je vous ouvrirai sur d'autres vidéos. Donc en tout cas je remercie fortement Toups de m'avoir envoyé ces produits, c'est très gentil de leur part. Et donc, je vais vous montrer ça sur la chaîne et vous en faire profiter. Alors, Toups m'a envoyé plusieurs produits. Donc, le collector avec 20 cartes à l'intérieur. On pourra regarder après. Un mini tin ici. Et j'ai également d'autres produits que je vous ouvrirai dans une autre vidéo parce que sinon, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. J'ai un autre mini tin et deux paquets comme ceci. Voilà, donc ces trois-là, je vous les ouvrirai dans une autre vidéo pour pas avoir une vidéo qui dure trop longtemps pour vous. Et puis ça nous fera d'autres moments pour se retrouver. Voilà. Donc là, on va ouvrir le mini tin et le collector. Donc on va commencer par le kit de démarrage, donc le collector. Découvrez un petit peu ça. Donc les cartes, elles vont ressembler à ceci. Voilà. Donc des cartes à collectionner de Formule 1. Donc c'est la version officielle, donc les Turbo Attacks, un classique de chez Toups. Donc là c'est en français, on est chez Toups France et donc on va ouvrir ça ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, on arrache ça. Alors les cartes, elles sont où? Les cartes, elles sont là. Voilà, il n'y a plus rien dedans. Donc on est bon. Alors, on a différents paquets de cartes. On a une carte géante. Que voici. De Max Verstappen en plus. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, une carte géante. On a un paquet de cartes édition limitée. Et un autre lot de cartes. En tout, il y a 20 cartes, il me semble. 20 cartes, oui, donc... Ça devrait faire pas mal de cartes. On a la liste complète qui est derrière donc ce collector. Donc il y a quand même pas mal de cartes. C'est 155, un peu plus, 179 cartes en tout, plus des éditions limitées. Donc ça, normalement, ça va devant. Donc classique, hein, les collectors pour glisser vos cartes à l'intérieur. Là, vous connaissez tous, hein. On en a tous eu dans les mains. Ensuite, on a quoi dans ce collecteur? On a un guide de jeu. Donc, il reste des cartes à jouer. Donc, avec un guide complet de jeu. Les explications pour jouer. Donc, ça, c'est très très bien. Il y a des points d'attaque, de défense. C'est le principe de ces cartes, hein, qu'on trouve en France essentiellement. On nous dit aussi qu'on peut découvrir des cartes Toups Turbo Attacks Now. Ça, c'est très bien aussi. Voilà pour ce collector. On a un petit terrain de jeu, je suppose, pour mettre vos cartes. Et ensuite, des cartes signées à collectionner. Très bien, hein, qu'on ait des cartes signées, hein, dans les paquets, ce serait fantastique. Hein. Alors, j'y crois pas trop, hein, c'est avoir beaucoup de chance. Et pourquoi pas. Alors, du coup, ça, je vais le glisser. Le glisser par là. Tac, 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 tac. Hop, on arrive à glisser. Comme ça, le collector, il sera prêt. Il n'y aura plus qu'à remplir. Voilà pour ce collector. Ensuite, donc, il y a le mini tin à ouvrir. Ces deux paquets, on a aussi la carte géante, donc du coup, qu'on a vu.
Et on va ouvrir ça tout de suite. Alors on va commencer par ce petit paquet blanc qui va comporter les 20 cartes, je suppose. Et donc on va pouvoir découvrir ces cartes. Alors on a les cartes de jeu. C'est classique. Voilà, donc ça c'est pour le jeu en lui-même. Hein. Donc ça, je vous les passe. C'est si vous aimez ce genre de jeu. Et ensuite vous avez les cartes en elles-mêmes avec lesquelles vous pouvez jouer avec Lando Norris. Superstar Max Verstappen. Christian Horner. Ah, ça fait longtemps que je ne suis plus trop la Formule 1. J'aime bien regarder, hein, mais c'est vrai que j'ai peu l'occasion. Un petit français et une McLaren. Donc plutôt joli hein, ces cartes, hein, franchement. Plutôt bien fait pour les cartes de jeu classiques. Hein. Allez, on continue à ouvrir donc ce petit paquet avec une gold de Sébastien Vettel. On a des effets un peu sur la gold, tout pas mal. De Norris en diamond, pareil, quelques effets. On a une Carlos Sainz Hero of the Track, Kevin Magnussen, Fernando Alonso et Max Verstappen. Donc on a plusieurs types de cartes, hein, comme vous voyez, il y a plusieurs comme des inserts en quelque sorte. Hein. Entre celle-là, donc Epic Moment, on a les live action, voilà, Off the Track, Hero. Donc il y a quand même plusieurs types de cartes différentes. Ensuite, on va ouvrir du coup le Mini-Tin. Alors Mini-Tin, il y a 36 cartes à l'intérieur, plus 2 cartes édition limitée. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que vous gagnez aussi une boîte en métal pour ranger vos cartes. Qui est quand même assez joli en général. Petite boîte voilà, comme ceci. Voilà, plutôt sympathique pour ranger vos cartes, ça peut être pas mal. Et donc on va ouvrir ça. Alors ça se présente comment? Un gros paquet blanc et un autre paquet avec les éditions limitées. Alors on commence par ce paquet blanc, ce gros paquet blanc. Découvrons ça ensemble avec donc les inserts Off the Track, Carlos Sainz, Frédéric Vasseur. Donc il n'y a pas que les pilotes, hein, il y a aussi les membres de l'équipe. Carlos Sainz, Luke Hemmel. Alors, comment ça se présente? Si elles sont à l'envers, je les mets à la fin. On a Grand Prix Booster. Ocon. Donc un Français. Un Superstar. Lando Norris. Verstappen en Superstar. Lando Norris encore. Carlos Sainz. Bottas en Hero. Mike Schumacher et Kevin Magnussen, donc en team duo. C'est un autre insert. Off the Track. Team trio. Oui, vous avez des cartes vraiment. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que de la Formule 1, il y a aussi de la Formule 2, Formule 3. Albon. Roy Nissany. Épique moment de Lewis Hamilton. Callum Williams, Verstappen, Gasly, Perez. Les photos sont jolies, hein. Une belle voiture. Verschoor, Perez, des photos de nuit avec Verstappen, Lewis
Hamilton. Capito. Wolf, donc là on est sur les membres de l'équipe. Mike Schumacher. Stroll. Sargent. Alors, on a une carte. Une team commisant. Je sais pas trop ce que c'est cette carte-là. Si vous savez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et on a une petite brillante avec Lando Norris pour le club des 100. En défense. 100 en défense. D'accord. Donc là, c'est pour le jeu. Ouais, les amis, pour cette petite ouverture, du coup... Ah bah non ! Eh, on oublie ça ? Bah alors ? On oublie les cartes édition limitée. Ah, heureusement que je l'ai vu. Hein. Ça aurait été dommage de le rater, ça. Allez, on ouvre la dernière. Tac. Édition limitée avec une silver de Charles Leclerc. Elles sont jolies, leurs cartes édition limitée. Elles sont vraiment bien brillantes, bien jolies. Sergio Perez en diamant. Ensuite, Verstappen. Fernando Alonso. Albon. Et... OG. Voilà les amis, on a fini là, ça y est, pour cette ouverture du coup de Turbo Attacks de chez Toups, donc en Formule 1. Donc très sympa cette ouverture, très très bon produit. Après voilà, produit typiquement européen, français, donc pour jouer aussi, hein, pas que pour collectionner. Donc avec tous les points, attaque, défense, le plateau de jeu, etc. Donc voilà, donc ça peut intéresser plus de monde du coup. Mais c'est moins orienté collection, c'est surtout orienté jeu. Donc à chacun de trouver son bonheur là-dedans. En tout cas, je remercie beaucoup Toups France pour l'envoi de ce kit. J'ouvrirai du coup dans une autre vidéo les autres boîtes pour vous montrer donc, ce qui s'y cache à l'intérieur. En espérant trouver un petit autographe, hein, ça serait quand même fantastique. J'aurai d'autres produits de chez Toups donc, à vous montrer. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner à la chaîne YouTube et aux réseaux sociaux. Sans oublier d'aller faire un petit tour sur le site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut !